poisson et puis des poussières, des poudres. C'est comme ça. C'est comme ça. Vas-y, les gros morceaux. Poussière, les gros morceaux. Les poussières là sont quoi? Sont les négligeables. Les petits taux. Sont les négligeables. C'est comme ça. Sont les petits taux du repos limité. Le repos limité, en fait, c'est quoi? C'est le copain, hein? C'est le pilon. Pilon moitié. C'est ça le repos limité, en fait. Utilisez ce pour la statique. Joseph Fort Tracer. Joseph pour déchiffrer les rêves. Il fait quoi? Il construit le graphe des fonctions. Il trace le graphe. Il est statique. Très bien. Allez dans le temps de chercher tout à fait et de ne pas m'aider. Mais pas qu'il était là. Allez voir ça. C'est dans ça qu'on consiste le développement limité. Le développement limité, on prend une fonction, on le coupe en morceaux. On trouve une partie, on trouve quoi? On le casse. On la casse. On trouve une partie principale. La partie principale du développement limité, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est. C'est un polygone et puis l'autre partie là, ça on appelle le petit taux. Le négligeable, c'est ça. Le polynôme là c'est quoi? C'est en fait quoi? C'est le gros grain. C'est le gros grain. La console là, même, la console elle-même là c'est quoi? C'est ce qu'on a pilé dans le mortier. Et le polynôme là c'est quoi? C'est les gros grains qu'on a obtenu. Les gros grains. On peut toucher. C'est ça les polynômes. C'est comme ça. Et les poudres là, c'est ça qui fait le béto. C'est comme ça. Et l'ordre du développement limité, c'est quoi? Ça dépend de quoi? Un gros grain encore, on peut encore le. On peut encore le piler, on peut obtenir encore des grains, d'autres grains qui donnent encore des poudres. C'est ça, non? C'est comme ça. En pilant encore, on continue encore. En pilant encore, c'est-à-dire. Et ça qui est quoi? On continue encore le développement limité. On va à un ordre supérieur. C'est comme ça. C'est comme ça. Le développement limité, c'est quoi? Avec ce qu'on a le contrat. C'est plus le motif. Avec ce qu'on a le contrat. C'est très puissant, le développement limité. Vous le savez bien. Avec le développement limité, on trouve toujours la limite de fonction. On trouve ça toujours. Quand le premier ordre ne marche pas, vous pouvez trouver une dérivation. Et pour le premier ordre, vous allez à l'ordre 2, vous allez trouver. Vous allez trouver la valeur de la limite. Et si vous ne trouvez pas encore à l'ordre 2, allez continuer encore à l'ordre 3. Vous allez trouver, c'est clair. C'est comme ça. C'est très fort, très puissant. Telle est la réaction par le combat. Très puissant. On trouve toujours. La limite. La limite. C'est-à-dire la convergence. Pourquoi ça converge? C'est-à-dire l'essentiel. C'est ça la limite. La convergence, l'essentiel. L'importance, l'essentiel. Solution, le retenons. C'est ça la limite. Le retenons. La leçon. C'est comme ça. C'est comme ça. Voici l'or. Le son 16, c'est quoi? C'est Dieu qui suit. Si là c'est l'erreur, c'est ça non? Si c'est l'erreur, là c'est poussière. Il ne veut pas le couper.